Hey, salut à vous. Aujourd'hui, cover on a numéro 133. On part pour 1933, où je vous ai déniché une chanson pas piquée. Non, c'est pas vraiment l'accent là, puisque c'est vraiment une chanson de Titi Parisien, de Parigo jusqu'au bout des ongles. Il s'agit de La fille du métro, une chanson donc de 1933, écrite par L.NV et composée par G.Gabroche. Gabroche, hein, B. Voilà, Borel Mézoni, on fait B. Voilà, comme ça. Bref, arrangement de G. Breton. Enfin, bref. Sans plus attendre, voilà, on est parti pour cette chanson que je qualifierais de chanson d'amour avant tout. Voilà, avant tout, comme disait l'autre. Voilà, et puis que je te dédicace, Lionel, mon cher collègue, oui, toi, car non pas parce que je... Non, tu sauras vite pourquoi je te la dédicace, voilà. Allez, sans plus attendre, un bonjo, un médiator, et puis... Et puis valse, 1, 2, 3, 1, 2. C'était une jeune fille simple et bonne, qui demandait rien à personne. Un soir dans le métro, il y avait presse. Un jeune homme osa, je le confesse, lui passer la main sur les cheveux. Comme elle était gentille, elle s'approcha un peu. Mais comme elle craignait pour ses robes, à ses attaques, elle se dérobe, sentant quelque chose qui la chatouille. Derrière son dos, elle tripatouille et tombe sur une belle paire de gants que le jeune homme à la main tenait négligemment. Voyant les mois de la noisette, il s'approcha un petit peu d'elle. Et comme en chaque homme, tout de suite, s'éveille le démon qui l'habite. Le jeune homme lui sortit sa carte et lui dit: je m'appelle Jules et j'habite rue Descartes. Le métro continue son voyage. Elle se dit: ce jeune homme n'est pas sage. Je sens quelque chose de pointu. D'un air fermé, convaincu, cherche à pénétrer dans mon cœur, qu'il est doux d'aimer, quel frisson de bonheur. Et ainsi, à peine, quand on s'aime, on peut se le dire sans problème. Qu'importe le véhicule, n'ayons pas peur du ridicule. Dis-lui simplement: je t'en viens donc à la maison manger des spaghettis. Voloup, chanson d'amour de 1933. Eh bien, sans plus attendre, je vous dis bonne soirée, prenez soin de vous, et puis tchou, à la revoyotte, à demain pour 1934. Oh, bah, elle était courte celle-là, dis donc, je m'en vais tout de suite chercher ce que je vais bien pouvoir faire demain. Allez, tchou, bye bye.